Les Landes comptent plus de 200 fêtes de village chaque année. Dans le sud-ouest, c'est une tradition. Mais le 1er juillet 2007, dans le petit village d'Abbas, un terrible drame endeuille la soirée. Ken McDermott, un étudiant de 18 ans, est tué pendant la fête. Il a reçu un coup de couteau en plein cœur. Toute la région est sous le choc. Philippe Nicolai est journaliste. Il est arrivé le premier sur place, quelques heures seulement après les faits. On est arrivé dans un village, effectivement, qui était décoré aux couleurs de la fête. On a senti tout de suite, à peine sorti de la voiture, l'émotion, les gens qui pleuraient un peu partout au coin de la place. Il était entre 10 et 11 heures du matin. Quelques heures plus tard, l'auteur des faits se rend aux autorités. Il s'appelle Fabien Duchesne. Il est incarcéré. Ce jour-là, un deuxième homme est arrêté. Christopher Verdun. Accusé de complicité, il est libre, mais il sera bientôt dans le box de la cour d'assises. Cette nuit-là, il était avec le meurtrier. Il nous ramène sur les lieux du crime. On n'était pas venu pour se bagarrer déjà, on n'était pas venu pour faire quoi que ce soit, on était venu pour faire la fête et voilà. Après la fête, vers 5h du matin, Christopher fait la queue pour acheter un sandwich, avec quelques amis, un peu alcoolisés. Ici se trouvait l'emplacement de la baraque à frites justement. Et donc il y avait à peu près une trentaine de personnes autour, on va dire, qui commandaient leur sandwich, voilà. Une altercation éclate alors entre Christopher et un jeune qu'il ne connaît pas, un certain Basile. Il nous a traités de racailles à nous tous. C'est à ce moment-là que je lui ai mis le coup de tête. Et de là, ça c'est parti en bagarre, on va dire. Des coups de poing sont échangés. Fabien Duchesne, un copain de Christopher, se mêle alors à la bagarre. Il sait que Christopher a un couteau sur lui. Il me prend le couteau des mains. Je lui dis bien de ne pas faire le con. Et ça s'est passé, on va dire, quand même assez vite. Ken McDermott, qui se tient un peu à l'écart, voit son ami Basile en difficulté. Il s'avance alors pour s'interposer. Dans la confusion, c'est lui qui reçoit le coup de couteau mortel. En une minute de temps, je revois Fabien revenir vers moi et me dire « je l'ai planté, faut qu'on parte ». Fabien Duchesne rend le couteau à Christopher et le groupe prend la fuite, laissant Ken derrière lui. Il décédera quelques minutes plus tard. À ce moment-là, je ne savais même pas qu'il était décédé. Une fois rentré chez lui, Christopher nettoie l'arme couverte de sang. Il fait disparaître les empreintes. Le lendemain, il apprend la mort de Ken. Il se rend à la gendarmerie. Je pense surtout aux parents de la victime, qui doit être vraiment mal. Et j'en suis vraiment très désolé. Mercredi 17 mars 2010, au tribunal de Mont-de-Marsan, c'est le début du procès. Il doit durer 3 jours. Christopher comparaît libre. Ses parents l'accompagnent. C'est douloureux parce que je pense aussi à la famille de ce jeune-là. Je compatis pour moi. Accusé de dissimulation de preuves, Christopher risque 3 ans d'emprisonnement. Quant à Fabien Duchesne, en détention provisoire depuis le crime, il risque 30 ans de réclusion criminelle. L'audience va commencer. L'huissier donne les dernières instructions au public. Tout le monde ne sera peut-être pas assis. Le public, il y a des gens qui viennent assister à l'audience, mais qui ne seront pas directement intéressés en tant que témoins, etc. Donc, je voudrais bien vous installer après, dans la mesure des places disponibles. Veuillez entrer dans la salle d'audience. Les parents et la sœur de Ken McDermott ne répondront pas à nos questions. Leur souffrance est trop vive, comme le montre ce tatouage sur le bras du père de Ken. Seul son grand-père accepte de nous parler de son petit-fils. C'était un garçon qui était charmant. Il était formidable. C'est pas parce que c'était mon petit-fils. Puis il était gentil, poli. Jamais un mot au travers, que ce soit vis-à-vis de moi ou de ma femme. Marjorie Carrière est psychologue. C'est elle qui a réalisé l'enquête de personnalité de la victime. Ken était un jeune homme
qui rayonnait la gentillesse, la générosité, l'altruisme. J'ai systématiquement demandé, pour vous, à l'évocation de Ken, qu'est-ce qui vous vient le premier à l'esprit ? Et c'est vrai que chacun, mais vraiment sans exception, m'a répondu son sourire. Fabien Duchesne entre dans le box des accusés. Christopher y est déjà. Les deux hommes étaient amis, pourtant, ils n'échangent pas un regard. Sur la table, devant les jurés, l'arme du crime. 2 ans et demi après le drame, le procès va s'ouvrir. Allez, monsieur. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, les débats sont consacrés aux personnalités des accusés. Les experts psychiatres décrivent Fabien Duchesne comme un jeune homme immature, impulsif et caractériel. Son enfance a été marquée par la violence d'un père alcoolique et le divorce de ses parents. À l'adolescence, il enchaîne les petits délits, vol de scooter, conduite sans permis. Elodie était la petite amie de l'accusé. Après le meurtre, elle ne l'abandonne pas, elle s'est même mariée en prison avec lui. Elle a accepté de nous parler hors du palais de justice. J'accepte de me marier en prison pour la bonne raison que je l'aime déjà. Je tiens à lui. Je veux prouver à tout le monde et à lui-même, et ainsi qu'à moi, que je peux le soutenir, que j'en suis capable, et que je serai là pour lui, quoi qu'il arrive, dans cette épreuve. À l'audience, Elodie a été éprouvée par ce qu'elle a entendu. L'homme décrit par les experts n'est pas celui qu'elle connaît. Il pleurait beaucoup, il était effondré, il avait du mal à s'imaginer qu'il avait tué quelqu'un. Il le savait, mais c'était pour lui comme si qu'il avait fait un cauchemar en fait. Il revoyait la scène dans sa tête, mais il n'arrivait pas à expliquer et il me disait qu'il était dans une histoire qui n'était pas la sienne. Il est en souffrance. Il est en souffrance d'une enfance qui s'est pas forcément très bien passé. Et au fond, c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, de soutien. Pour la famille de Ken, les témoignages sur l'enfance de l'accusé sont difficiles à entendre. Ils ont l'impression que les rôles sont inversés, que l'accusé est devenu la victime de ce procès. Il a été malheureux dans sa jeunesse et tout, mais il n'en a pas le monopole. Il y a beaucoup de monde qui sont comme lui et tout le monde n'est pas assez. J'en suis là parce que j'ai perdu mon oncle quand j'avais 15 ans. Je travaillais mal à l'école parce que mes parents ont divorcé. J'avais un père alcoolique et violent. Mais il y a des millions de gens en France dont les parents ont divorcé, qui ont des parents violents et qui démarrent dans leur jeune vie d'adulte sans avoir forcément un casier judiciaire. Je dois dire que j'entendais les dents du père de Ken grincer dans mon dos parce que je crois qu'il faut énormément de courage pour garder toute sa dignité et arriver à entendre cela. L'avocat de l'accusé, lui, veut insister sur les qualités de son client. Je ne défends pas un salaud, mais je ne défends pas non plus un saint. Vous savez, on dit souvent que dans l'humain, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, on est souvent dans le gris. Je crois que dans ce dossier, nous aurons l'occasion d'évoluer beaucoup dans la grisaille. On retrouve demain à la même heure à 8h30. Quant à Christopher, il a été décrit comme un jeune homme travailleur, mais impulsif lui aussi, surtout sous l'emprise de l'alcool. C'est quand même assez stressant à écouter. Avec l'alcool, je peux être un peu énervé, quand même. Je peux être agressif avec l'alcool. Bon, ça je le savais aussi déjà depuis le départ. Je ne l'ai jamais nié. Jeudi 18 mars 2010, deuxième jour de procès. L'avocat des parents de Ken espère que la cour s'intéressera aujourd'hui à la gravité du geste et à la douleur de la famille. Il y a un meurtre et j'ai trouvé que l'atmosphère d'hier était peut-être même à l'excès dans la banalisation. Et je souhaite aujourd'hui que mes clients puissent dire toute leur peine, toute leur douleur, et faire prendre conscience au jury que il s'est produit quelque chose d'irrémédiable, d'irréversible, et que ça n'est pas arrivé par hasard. Ce matin, la famille de Ken est invitée à prendre la parole devant la cour. Pour l'aider à traverser cette épreuve difficile, une psychologue de l'association d'aide aux victimes les accompagne pendant toute la durée du procès. On a présenté Ken comme un
enfant hors du commun. La famille McDermott est vraiment une famille hors du commun, avec une dignité incroyable, mais alors une souffrance, c'est banal, hein, mais incommensurable. À la barre, les parents et la sœur de Ken rendent un hommage poignant au jeune homme et racontent les souvenirs des jours heureux avant le drame. Ils évoquent aussi le jeune homme militant, engagé contre toutes les formes de discrimination et de violence. Des témoignages émouvants. Il y a comme une espèce d'accouchement hein, qu'on sent physiquement. Et j'espère vraiment qu'ils vont arriver à se reconstruire. Ce sont des battants. Hein. Ils vont y arriver. L'émotion qui a envahi la salle d'audience inquiète l'avocat du principal accusé. Le risque majeur de ce type d'intervention est que les jurés réagissent aux sanglots et que les sanglots se substituent en quelque sorte à la réflexion juridique. Christopher et son avocat sont inquiets eux aussi. L'image générale n'est pas très bonne, même si les faits pour lesquels il est poursuivi ne sont pas très 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 graves en eux-mêmes. Mais il y a l'ensemble du dossier qui donne une image, un paysage qui n'est pas très très bon. Quoi. La mère de Christopher continue d'espérer que son fils n'ira pas en prison. Je le connais, je sais qu'il n'est pas méchant. J'ai confiance quand même. Pour Elodie, la femme du principal accusé, l'angoisse monte. Elle accepte que son mari paye pour son acte, mais ne supporte pas l'idée qu'il passe pour un dangereux meurtrier. C'est dur à vivre de s'entendre dire que son mari, c'est la pire personne au monde, qu'il a voulu tuer. C'est très dur. L'après-midi, la cour et les jurés vont examiner une question cruciale. Fabien Duchesne a-t-il eu l'intention de donner la mort ? La cour. Un nouveau témoignage va accabler les accusés. Celui de Basile, l'ami que Ken McDermott a défendu ce soir-là. Basile affirme qu'il s'est fait agresser sans raison par Christopher Verdun, très énervé et sous l'emprise de l'alcool. Selon lui, les deux accusés cherchaient clairement les ennuis. Le témoignage de Basile est important parce que, en réalité, on s'aperçoit, contrairement à ce qu'ont soutenu les accusés, ça ne sont pas deux bandes qui s'affrontent. C'est un garçon tout seul, Basile Creux, qui est pris à partie, il l'a dit lui-même. Moi, je considère que j'ai été victime d'une agression. Pour mettre de la voix, si Fabien Duchesne s'empare du couteau de Christopher, c'est pour s'en servir. Mais pour l'avocat de l'accusé, son client n'avait pas l'intention de tuer. C'est en réalité au moment où Fabien Duchesne est venu porter assistance à un de ses camarades avec cette arme fatale que Ken McDermott est aussi intervenu et que dans leur trajectoire, semble-t-il, Ken McDermott s'approchant de Duchesne qui était lui sur le trottoir, donc légèrement surélevé à lui, eh bien l'un et l'autre se sont croisés. Dans la dynamique des deux corps, le médecin légiste a mis en évidence que c'est à ce moment précis, à la rencontre de deux individus, que le coup fatal a été porté. S'agit-il alors d'un accident ou d'un homicide volontaire ? Là encore, les deux avocats s'affrontent. Il est parfois des coups portés dans la zone thoracique, à un centimètre ou parfois moins du cœur, qui ne perforent pas le cœur. Et donc, si évidemment ce coup n'est pas fatal, il n'y a pas d'intention de tuer. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur une appréciation au millimètre. Si les jurés considèrent que c'est l'œuvre finale qu'il faut considérer, qu'il y a eu mort d'homme et qu'ils en déduisent qu'il y a eu meurtre, c'est une approximation qui est une aberration. L'idée que leur fils aurait été victime d'un accident, en quelque sorte, et la thèse de l'accident implique qu'il aurait eu un rôle, en quelque sorte, dans sa propre mort, cette thèse, elle aurait tout simplement insoutenable. Vendredi 19 mars 2010, troisième et dernier jour du procès. Fabien Duchesne arrive au palais de justice. Ce matin, il va prendre la parole une dernière fois devant la cour. Les deux accusés vont tenter d'expliquer leurs gestes aux jurés et à la famille de la victime. La cour. Christopher Verdun émet des regrets maladroits qui n'apaisent pas la famille. Quant à Fabien Duchesne, il dit « Je n'ai pas fait exprès de tuer. J'ai donné le coup de couteau, oui, mais je ne savais pas où je visais. » Fabien Duchesne vient de vous dire « S'il n'y avait pas eu de couteau, il n'y aurait pas eu de crime. »
qui fait le crime, c'est pas le couteau, c'est le meurtrier qui tient le couteau. C'est maintenant l'heure du réquisitoire de l'avocat général. Christopher Verdun est accusé de destruction de preuves pour avoir lavé le couteau. Il est poursuivi pour des délits qui lui font encourir une peine de 3 ans de prison, alors qu'on sent bien que son rôle a été un rôle de création de ce sentiment grave de violence et de tension entre les amis du défunt et ses amis à lui. Ce garçon a une responsabilité morale, elle n'est pas juridique, elle est morale. L'avocat général requiert 2 ans de prison, dont 1 avec sursis contre Christopher. Pour ses parents, la réquisition est sévère. J'aurais préféré qu'il mette beaucoup plus de misère à l'épreuve. Par exemple, 5 à 8 ans de misère à l'épreuve. Et du sursis, parce que son casier avec verges, il n'a jamais rien fait. Quoi. Avec il s'est laissé peut-être. Bon, il a fait ce qu'il a fait, il faut reconnaître, oui. mais il n'a jamais fait mal avant à rien, à personne. Il n'avait jamais rien fait, quoi, avant. À l'encontre de Fabien Duchesne, l'avocat général requiert 15 ans de réclusion criminelle. Je demande que la Cour reconnaisse la qualification de meurtre, c'est-à-dire l'intention volontaire. Il va frapper quelqu'un qui ne le menace pas. Ôter la vie de quelqu'un de façon aussi gratuite est un crime que l'on ne peut pas banaliser. Il y a des gens qui, à cet âge-là, peuvent un jour commettre quelque chose de dramatique et qui ensuite se rangent dans le rang une fois qu'ils ont été sanctionnés et qui deviennent des pères de famille exemplaires. Un condamné sanctionné trop sévèrement a ensuite le temps de fabriquer de la rancune et de la haine. Et c'est ce que je ne voudrais pas. Je voudrais que Fabien Duchesne, ce soir, comprenne qu'il est jugé équitablement et qu'il a été entendu. Les 9 jurés et les 3 magistrats vont maintenant délibérer. Quel sera leur verdict ? On est stressé, mais c'est normal. C'est pas ce qui va se passer, quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Bah, que mon fils soit enfermé. Parce qu'en prison, ça fait, c'est pas un échappatoire, la prison. La prison, c'est... Ça endurcit, ça endurcit des gens. Ça endurcit parfois certains caractères. Ça dépend comment... Ça peut parfois ressortir pire qu'ils y sont rentrés, quoi. Malheureusement. On espère que non. La Cour ! Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe. Les jurés ont été plus sévères que l'avocat général. Fabien Duchesne est reconnu coupable de meurtre. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Élodie, sa femme, s'effondre en larmes. Christopher Verdun, lui, est condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Attends, il n'a jamais rien fait. Il s'est rendu en prison. D'être enfermé. Ce soir, Christopher dormira en prison. Il n'avait pas prévu cela. Il n'a pris aucun effet personnel. Je suis tellement choquée que les larmes ne me viennent même pas. Corinne et Régis vont embrasser leur fils avant son départ pour la maison d'arrêt. Le grand-père de Ken est satisfait par ce verdict. Disons que ça ne nous rend pas notre petit-fils. Mais ça a été marqué. Le procès a marqué son empreinte. Et puis... J'attendais ça. Voilà. L'avocat de la famille de Ken craint que cette affaire ne soit pas encore terminée. Il va y avoir un appel, il faut quand même le dire. Et c'est vrai que la perspective que mes clients doivent revivre un procès est un peu pénible. Une peine qui aurait été acceptée à la fois par les victimes et par l'accusé aurait peut-être été un meilleur résultat, mais aurait évité à mes clients d'avoir à revivre cette épreuve d'un nouveau procès. Nous estimons que ce dossier, réexaminé dans des conditions plus sereines, loin de ce département dans lequel la fête a une tradition très vivace, sera jugé autrement. C'est une décision qui est dictée par l'émotion, c'est pas une décision de justice. Les 2 condamnés sont emmenés à la maison d'arrêt. Leurs avocats ont fait appel. Le 2e procès est prévu dans 1 an. Oui, vas-y.
la Nationale 20 près de Paris. Une route qui descend vers le sud, une route qui a été le théâtre d'un des faits divers les plus inquiétants des années 80. Quatre femmes, jeunes et blondes, y ont été assassinées. Quatre crimes non élucidés. Mais aujourd'hui, de nouveaux éléments relancent l'affaire. Tout commence le 11 mars 1980 dans ce petit château d'eau, au bord de la Nationale 20. Un lieu de prostitution bien connu dans la région. Ce jour-là, des passants découvrent le corps d'une jeune fille. Elle est entièrement dévêtue. Elle a été violée. Un crime horrible qui perturbe le calme de la petite ville d'Étampes, toute proche. Aujourd'hui encore, tout le monde s'en souvient. Elle a été pendue et toute nue. Oui. Il y avait une psychose un petit peu. Moi, j'habitais Boissy-la-Rivière, je me rappelle. Moi, j'avais peur pour mes enfants et tout. Ah oui. Moi, quand je passe devant ce truc, j'y songe toujours. Le SRPJ de Versailles prend l'affaire en main. À la brigade criminelle, Gilles Leclerc commence son enquête. Il se trouve face à un crime mystérieux. Il a accepté de revenir sur les lieux du drame. Elle a été pendue un crochet un peu identique à celui-là d'ailleurs. En fait, c'est le même crochet qui est là, qui était à l'intérieur. Le mode opératoire est quand même assez barbare. Puis bon, le problème aussi, c'est qu'on a évidemment, par définition, elle était nue. On n'avait aucun élément d'identification, à part ses empreintes digitales, mais elle n'était pas connue. Et finalement, on l'identifie grâce à une émission de télévision. On passe sa photo, évidemment arrangée. Et il y a son dentiste à La Rochelle qui la reconnaît comme l'ayant soignée. C'est comme ça qu'on l'identifie. La victime s'appelle Michèle Coutura. Elle avait 17 ans. Originaire de Charente-Maritime, elle avait rompu tout contact avec sa famille et se prostituait occasionnellement à Paris. Les enquêteurs essayent de retracer les derniers moments de sa vie. La jeune femme avait été aperçue faisant de l'autostop 3 jours avant sa mort, porte d'Orléans. Alors que les recherches se poursuivent, 9 mois après ce crime, une deuxième victime est découverte au lieu-dit Rougemont, à 10 km à peine du château d'eau. Je me souviens que c'était vraiment en bordure de la Nationale. Elle était posée, à mon avis c'est là, posée dans un truc comme ça, là, vous voyez, jetée carrément. Hein. Elle était posée au milieu d'un bosquet comme ça, alors bon, je vous dirai pas exactement lequel, mais complètement dénudée, étranglée. Ça donnait vraiment l'impression du cadavre qu'on a balancé. L'enquête permet de déterminer que la deuxième victime a été aperçue, elle aussi, pour la dernière fois, faisant du stop à la sortie de Paris. De mémoire, il me semble qu'on avait un témoin qui nous avait dit qu'on l'avait vu en train de faire du stop. Vous savez, sur la rampe qui sort du pont de Saint-Cloud pour monter vers la 13. La jeune fille s'appelle Sylvie Le Héloco. Elle a 21 ans et comme la première victime découverte dans le château d'eau, elle a les cheveux clairs. La légende du tueur de blondes commence à se répandre dans la région. D'autant qu'une troisième victime est retrouvée quelques mois plus tard dans le petit village de Guillerval, à moins de 2 km du premier crime. La troisième victime s'appelle Christine de Vauchel. Elle est blonde, elle aussi, et son corps est découvert par des touristes de passage. Philippe Allaire, le maire de l'époque, a été amené à constater les faits. Vous voyez, c'est l'endroit où on a retrouvé le corps. La caractéristique, c'était que cette personne était dénudée et apparemment était certainement là depuis plusieurs jours, vu son état. Gilles Leclerc, lui aussi, est frappé par l'état du cadavre. Il est déjà en état de décomposition très avancé, parce qu'il faisait chaud, donc quand on a un cadavre en pleine nature, comme ça, sans linceul et sans cercueil, eh bien, ça se décompose très vite. Des victimes blondes, abusées, dénudées. Il semble bien que les crimes soient tous signés par un seul et même tueur. Et la série ne s'arrête pas là. Un an plus tard, à Bruyères-le-Châtel, un agriculteur qui se rend dans ses champs tombe sur le corps dénudé d'une jeune femme. Certains membres du club de généalogie travaillaient à proximité. Trouvé à côté d'un endroit que l'on appelait, que l'on avait surnommé
Le trou qui fume. Il y a peu de passages. Hein. Et surtout le passage, ce sont les cultivateurs qui l'utilisent pour les champs qui se trouvent à droite et à gauche. Donc c'est un cultivateur, un matin, en allant au travail, qui a donc retrouvé ce corps. Le cultivateur avait pensé que c'était une statue tellement de voir cette personne jeune, dénudée, ça lui donnait l'impression d'une statue qui était tombée là. La victime s'appelle Pascale Lecam. Elle avait 21 ans. Cette étudiante bretonne était venue rejoindre sa sœur à Paris. Voilà, elle était au bord du chemin, là. Un petit peu là, en retrait. Elle était nue, et, comme les trois autres. Et puis, le crâne, enfin, le visage complètement fracassé par des pierres, probablement, qui avaient été trouvées sur place. On avait des traces de pneus qui avaient été identifiés comme étant des pneus de Renault 5 ou de 104 Peugeot à l'époque. Et on avait pu déterminer que c'était sans doute la voiture des auteurs ou de l'auteur, parce que le cultivateur de ce champ ne les avait pas vus la veille. Ouais. Et, c'était son champ, en plus, c'était hein. Son champ, et il y avait les empreintes de ses pneus à lui. Ouais. Donc on avait pu discriminer comme ça. Voilà. Des traces de pneus qui permettront plus tard d'interpeller un suspect. Mais pour le moment, l'enquête piétine. Les années passent et le mystère reste entier. Qui est le tueur en série de la Nationale 20? Au bout de 10 ans, les faits sont prescrits, les scellés sont détruits, le dossier est refermé. Pour le commissaire Leclerc, c'est un échec, mais il n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai que la CRIM, à l'époque, en tout cas les anciens de la CRIM de cette époque-là, c'était vraiment notre... un petit peu notre dossier emblématique, parce que ça a duré quand même sur plusieurs années. Donc à chaque fois qu'on en avait une, on se disait ça y est, il a recommencé quoi. C'était et tout le monde était mobilisé. En 2006, un élément nouveau relance l'affaire. L'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, est chargé d'étudier les affaires non élucidées à la lumière de la police technique et scientifique. L'affaire des meurtres de la Nationale 20 est une des premières examinées par les enquêteurs. Ils s'intéressent alors à une piste qui n'avait jamais été explorée jusque-là, celle de Michel Fourniret. Le tueur en série vivait à cette époque dans la région. Gilles Leclerc demande au commissaire Malon, le chef de l'OCRVP, de creuser la piste Fourniret. Et on se posait la question, dire est-ce que ces quatre meurtres, ou l'un des quatre meurtres, pourrait être imputable à Michel Fourniret, sachant qu'à l'époque de ces faits, Michel Fourniret habitait à 50 km d'Étampes et que lorsqu'il avait été mis en cause dans une première série de viols et d'agressions sexuelles, il avait sévi sur le secteur d'Étampes. Donc on s'était dit, il faudrait quand même en avoir le cœur net, faire la vérification, alors est-ce que Michel Fourniret pourrait être impliqué dans ces affaires-là? C'est parti comme ça. Pour relancer l'enquête, il faut d'abord obtenir l'accord du procureur général d'Evry, Jean-François Pascal. En 2008, effectivement, les policiers me téléphonent. Ils me téléphonent et me disent, monsieur le procureur, nous travaillons actuellement sur une série de dossiers qui ont été clôturés par des non-lieux ou des classements sans suite, qui concernent des faits très graves, ce sont des meurtres, ce sont des viols, et on s'intéresse tout particulièrement à une série d'affaires survenues chez vous, c'est ce fameux dossier des meurtres de la Nationale 20. D'abord, réexaminer l'enquête, pas à pas, refaire l'enquête, relire les dossiers pour voir si toutes les portes ont été refermées. Et deuxièmement, on va travailler sur les pièces à conviction parce que peut-être que tout n'a pas été à l'époque exploité. L'enquête redémarre, mais les inspecteurs se heurtent très vite à une première difficulté. Les entrepôts où sont stockées les pièces à conviction sont tellement encombrés que les scellés ont été détruits au bout de 10 ans. Les objets qui avaient été placés sous scellés avaient été détruits. Pas par inadvertance. Tout à fait légalement, parce que la loi prescrit effectivement que dans un délai X après la clôture définitive du dossier, on peut et on doit détruire les pièces à conviction. On ne peut pas tout conserver. Bien. Sauf dans le dossier. À l'intérieur du dossier, parmi les procès-verbaux dressés par la police, les procès-verbaux d'audition, on a retrouvé un scellé. Dans ce scellé, il y avait trois mouchoirs en papier.
trois mouchoirs en papier qui avaient été prélevés et retrouvés sur les lieux du meurtre de Pascal Lecam. À l'époque, sur ces mouchoirs en papier, il y avait, disent les enquêteurs et disent le laboratoire, des traces de sperme. N'oublions pas que Pascal Lecam a été violé avant d'être étranglé. Parmi ces trois mouchoirs, deux ont été retrouvés dans l'environnement immédiat du corps, le troisième sous le corps. Les mouchoirs sont immédiatement envoyés dans un laboratoire pour analyse. Un ADN y est décelé. Celui-ci est passé au fichier des empreintes génétiques et là, heureuse surprise, comme disent les policiers, comme disent les enquêteurs, ça a matché, c'est-à-dire qu'on a sorti un homme. L'ADN n'est pas celui de Michel Fourniret, mais d'un homme vivant dans la région des Tempes et qui a déjà été arrêté pour des faits de violence. Cet homme est interpellé et mis en garde à vue 29 ans après les faits. Un rebondissement qui interpelle Jean-Marc Ducosse, journaliste parisien, qui a suivi toute l'affaire. Donc les policiers arrêtent un homme prénommé Philippe, il a 46 ans. C'est un ancien petit truand qui a eu quelques démêlés avec la justice. Il est aussitôt placé en garde à vue, mais aucun élément pendant la garde à vue ne permettra de le mettre en cause. Il niera les faits, même s'il a reconnu notamment être allé au pub à Marajin où l'une des victimes a été vue pour la dernière fois avant d'être retrouvée morte le long d'une route dans l'Essonne. Effectivement, Pascal Lecam, la dernière victime du tueur, avait été vue dans un pub du boulevard Saint-Germain en compagnie du suspect ou d'un homme qui lui ressemble. Deuxième élément troublant, les traces de pneus retrouvées à proximité du dernier meurtre correspondent à la voiture du suspect. Le suspect est effectivement mis en cause parce qu'à l'époque, il avait une petite voiture de sport, une Renault Alpine, qui aurait été aperçue à l'époque dans la région et dont les traces de pneus retrouvées sur place correspondent à sa voiture. Des pneus de voiture qui correspondent, une empreinte ADN sur la scène du crime, une apparition dans le pub où la dernière victime a été vue. Les éléments s'accumulent contre le coupable présumé. Nous avons retrouvé cet homme. Il a accepté de nous parler. Il s'appelle Philippe. Il a un passé violent. C'était un truand reconnu dans les années 80. Bon, j'ai fait des années de prison que je ne regrette pas. Parce que c'était un petit peu un jeu, quoi. Voilà, c'était le chat et la souris. Comme je leur disais aux gendarmes ou à la police qui m'arrêtait, j'ai joué, j'ai perdu. Des fois, je gagne. Si vous voulez, comme on dit, je n'ai pas de sang sur les mains, moi j'en ai. Parce que bon, les bagarres, toujours, il y a du sang. Mais tuer quelqu'un, j'ai jamais tué quelqu'un. J'ai envoyé peut-être une fois quelqu'un à l'hôpital pour un nez cassé, puis ça s'arrête là. J'ai jamais eu d'armes, jamais rien. Comment explique-t-il que son ADN ait été retrouvé sur la scène du crime? Je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'il était une journée avant, deux jours après, on ne sait pas. Enfin, pas après, mais bon. Peut-être deux jours avant, une journée, peut-être le soir même, on ne sait pas. J'ai pas pu leur expliquer pourquoi il était là. Le suspect avoue qu'il connaissait bien les lieux. Ah, bah, il y avait des couples, il y avait un peu de tout. Hein. Ouais. C'était le coin où, voilà, qu'on venait. Vous voyez bien, c'est tranquille. Ouais. Et c'était des couples qui faisaient l'amour en voiture ou, Voilà, en voiture, dehors, ouais. Dans la pelouse, sur le capot de la. Vous savez, hein, c'est comme l'avenue Foch. Porte Dauphine, voilà. Les traces de pneus correspondent à la voiture qu'il possédait à l'époque. Bah, j'avais une R5 Alpine Turbo à l'époque. Hein. Et le problème, c'est que bon, ils m'ont dit c'est une R5 et tout. C'est ce qui me faisait comprendre. Hein. Ils cherchaient ma voiture. J'ai mis ma voiture il y a longtemps que je ne l'ai plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre voiture? Bah, j'étais en prison, puis on me l'a dépouillé en bas de chez moi. Quoi. Ah, allez, tu restes en bas de chez vous. Voilà. Ça s'est passé quand, ça vous ? C'était à l'époque, quoi. C'était dans les faits, quoi. Ouais. Dernier indice, Pascal, la quatrième victime de la Nationale 20, a été vue pour la dernière fois dans un pub, boulevard Saint-Germain. Philippe aussi. J'y étais tous les soirs, pour ainsi dire. Saint-Michel, Saint-Germain, Champs-Élysées, j'y étais tous les jours. Ouais. Tous les jours. Malgré ces indices, devant les enquêteurs, Philippe ne reconnaît rien et clame son innocence. Je ne vais pas dire que c'est moi si je n'ai pas fait. Quand j'ai fait, j'ai fait. Quand je n'ai pas fait, j'ai pas fait.
Voilà, ça s'arrête là. Même l'avocate, elle m'a dit, il y a prescription, même si vous dites que c'est vous, ils ne peuvent rien faire. Je dis, non, je ne vais pas dire que j'ai fait si je n'ai pas fait. Cette affaire m'a gâché un petit peu ma vie, parce que bon, il y a des gens qui se sont doutés que c'était moi, tout ça. Que bon, je compatis pour la douleur des parents. Mais que vraiment, je suis innocent dans cette affaire, quoi. Et que j'espère que ça va se finir, quoi. Parce que c'est pas évident. À l'issue de sa garde à vue, faute de preuves flagrantes, le suspect a été relâché. Saurons-nous un jour qui était le meurtrier de la Nationale 20 ? Aujourd'hui, il y a prescription, mais la question se pose. Faut-il continuer à prescrire alors que les nouvelles techniques d'enquête scientifique permettent de résoudre de plus en plus d'affaires non élucidées ? Maître Seban, l'avocat de la famille de Pascal Lecam, pose la question. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'il y a prescription. Je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'il y a prescription parce qu'on l'a vu dans deux dossiers, dans le dossier d'Émile Louis et dans celui de Michel Fourniret. Si on écoutait ceux qui enquêtaient sur ces deux cas au départ, eh bien, il n'y avait pas lieu d'enquêter, c'était prescrit. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait eu des actes d'enquête, qu'il y avait eu des choses de fait qui avait interrompu la prescription. Et on a pu juger Émile Louis 20 ans après, plus de 20 ans après, et on a pu juger Michel Fourniret pour des faits qu'au départ, on nous annonçait prescrits. Donc on ne peut pas dire a priori, avant d'avoir examiné le parcours de celui ou de ceux qui sont suspectés, que c'est prescrit. On ne peut pas le dire. Et donc c'est pour ça que nous, on souhaite que dans ces affaires anciennes, les affaires les plus graves, évidemment, de crimes, on puisse systématiquement ouvrir une instruction et se poser la question de la prescription. Aujourd'hui, le dossier est refermé, mais le moindre élément nouveau qui pourra lever la prescription sera pris en considération. C'est ce qu'espèrent les familles des quatre victimes de la Nationale 20 qui attendent toujours de connaître la vérité. Beaumont, 12 000 habitants, une commune au milieu des volcans d'Auvergne. C'est ici, dans cette chambre en sous-sol, qu'un jeune homme, François Costet, a piraté les sites informatiques des plus grandes stars hollywoodiennes. Il a réussi à prendre le contrôle d'une multinationale américaine. C'est plutôt quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui ne travaille pas, qui passe son temps sur Internet. Dans la nuit du 29 mars 2009, François attaque le site Twitter. Il réussit à avoir accès aux informations personnelles du président des États-Unis. Cette passion d'Internet l'a amené, au fil des heures, à s'amuser, à pénétrer sur un site sur lequel il n'aurait pas dû pénétrer. Après plusieurs mois d'enquête entre les États-Unis et la France, François se fait interpeller à son domicile par la police judiciaire, accompagné du FBI. On est descendu à toute vitesse et puis c'est là on a vu ces hommes en noir, on était vraiment surpris, on se demandait ce qui s'était passé. C'est la première fois que je voyais des agents du FBI de ma vie. La multinationale américaine porte plainte, un procès est en vue. Mais comment François a-t-il fait pour pirater l'un des sites les mieux protégés au monde ? Retour sur une histoire hors du commun. François a 23 ans, il est au chômage, mais depuis toujours, il se passionne pour l'informatique. À l'âge de 8 ans, son père lui offre son premier ordinateur. Au fil du temps, il se referme sur lui-même et passe plus de 10 heures chaque jour devant son écran. Le fait de discuter, par exemple, avec des personnes sur Internet, ça m'a beaucoup plu. Dans la vie, il s'appelle François Costet, mais sur la toile, il est plus connu sous le nom de Hacker Crawl. En 2009, il s'intéresse au réseau Twitter, un site communautaire. Sur cet espace, des personnalités et des anonymes commentent leur vie privée et postent gratuitement des messages sur leurs humeurs. Je suis interrogé sur ce site-là. Est-il suffisamment sécurisé ? Est-ce que les données sont suffisamment protégées ? Et donc, dès ce moment-là, j'ai commencé à m'informer un petit peu sur qui gérait ce site. François trouve l'adresse email d'un employé important de Twitter. Il réussit à changer son mot de passe. Une fois dans sa boîte mail, il accède aux codes confidentiels qui lui permettent de gérer Twitter.
J'avais le contrôle sur l'ensemble du site. Je pouvais ajouter, supprimer des utilisateurs ou même consulter des informations. Par exemple, la grille des salaires, des contrats confidentiels avec des grandes sociétés, des numéros de carte bleue, des agendas, etc. Twitter est l'un des sites web les plus consultés du monde. 45 millions de visiteurs fin 2009. Un phénomène qui touche aussi stars et hommes politiques. Ce soir-là, François a un objectif bien précis. J'ai rassemblé une liste de comptes appartenant à des célébrités. Hein, parce que c'était des gens qui étaient très populaires sur le site, quoi, et qui étaient énormément suivis. La première star que je suis allé voir, Barack Obama. Durant une vingtaine de minutes, François pénètre sur le site Twitter du président des États-Unis et des plus grandes stars américaines. Britney Spears, Ashton Kutcher, le mari de Demi Moore, ou encore la chanteuse Lindsay Lohan. Aucun compte Twitter ne lui résiste. Puis j'ai pris des captures d'écran pour garder une trace de mon exploit. En pénétrant sur leur site, François aurait pu usurper l'identité du président américain ou des stars d'Hollywood. Écrire des messages à leur place, divulguer leur numéro de téléphone, il n'en fait rien. Mais en moins d'une demi-heure, son intrusion est repérée aux États-Unis. Un email est envoyé à tous les employés de la société. S'il vous plaît, changez immédiatement vos mots de passe. De repérer l'origine des connexions. Après, j'ai tout supprimé. Enfin, moi sur mon disque, j'ai tout supprimé. Parce que j'avais peur qu'on remonte à moi. Twitter porte plainte auprès du FBI, qui alerte la police française. Nanterre, siège de la lutte contre la cybercriminalité. Une soixantaine de policiers traquent en permanence les pirates du web. Adeline Champagna est commissaire de police. C'est elle qui a dirigé l'enquête contre HackerCrawl. Alors, le FBI avait repéré que quelqu'un avait réussi à en quelque sorte prendre le contrôle de Twitter, c'est-à-dire tout simplement qu'il avait réussi à rentrer en tant qu'administrateur dans Twitter et qu'il avait eu accès à des éléments confidentiels. Les investigations durent plusieurs mois. François est trahi par ses captures d'écran qui prouvent qu'il est bien entré illégalement sur le site. Il y a deux semaines, quatre hommes du FBI arrivent en France pour assister à l'interpellation du jeune homme. Avec quatre policiers français, ils arrivent à Beaumont. Il est 6 h du matin. Pour Christine, la mère de François, la surprise est totale. On était au lit, là, dans la chambre, et on a entendu comme ça frapper, sonner. On a entendu police. Alors on a ouvert et puis c'est là qu'on a vu les huit hommes de la police et puis du FBI américain. Une fois dans la maison, la police judiciaire et le FBI descendent rapidement au sous-sol. La porte de François est fermée à clé. Ils entrent alors dans la chambre voisine, celle de Pauline, sa petite sœur. J'ai entendu beaucoup de bruit. Ils sont arrivés comme ça, ils ont ouvert la porte et à peine ouvert la porte, hein, juste comme ça. Après, ils ont penché, ils ont vu qu'ils ont dû voir, à mon avis, par rapport aux couleurs, le rose et tout ça, ils ont dû se dire, ah, c'est pas la bonne chambre, même en me voyant sûrement. Et ils sont repartis directement. Ils sont allés à côté après. Je me suis réveillé, ils m'ont menotté. Puis donc, ils m'ont dit que j'étais en garde à vue. Et puis voilà, ils ont commencé à fouiller la chambre. Et moi, j'entendais tout ce qui se passait, malgré que j'étais encore dans ma chambre. Et je les ai entendus dire ouais, vos mains dans le dos, lui mettre les menottes et tout ça. Enfin bon, c'est sûr que c'est choquant. Immédiatement, la perquisition commence. Tout le matériel informatique de François est confisqué. Ils ont sorti la tour, ils l'ont démonté, ils ont enlevé les disques durs. Puis après, ils les ont récupérés. Ils m'ont emmené au salon et puis voilà. Et nous, on a d'abord été là, on s'est demandé ce qui se passait. Ils ont dit, venez, monsieur, dame, on va vous expliquer, c'est votre fils. Alors, ils étaient tous habillés en noir, hein. Il y a eu le FBI. Et donc, ils étaient tous là, debout. Et puis les Américains, après, au bout d'un moment, se sont assis là, sur le canapé. Et la police française était là.
Dans la famille de François, personne n'est au courant de ses activités. On était loin que mon époux de s'imaginer cela. Hein. C'était un choc. Je l'ai dit directement à mon copain et on n'en revenait pas en fait. On était très surpris. Mais François, lui, était conscient des risques qu'il prenait. Bon, oui, j'en dormais plus. Enfin, je pensais vraiment que souvent à ça, quoi. Twitter, pratiquement tous les jours, quoi. Je savais qu'à un moment ou à un autre, que j'aurais des ennuis, quoi. François passe 48 heures en garde à vue, puis il est relâché. Mais il est convoqué au tribunal de grande instance le 24 juin. La justice française a décidé de le poursuivre. On lui reproche un accès frauduleux à un système de traitement informatisé des dossiers. C'est ce qu'on appelle une intrusion dans un système informatique. Il n'a pas tiré d'enrichissement personnel de cette affaire. Il n'a modifié aucune des données. Il n'a pas cherché à les vendre. Il a fait des copies d'écran pour montrer qu'il avait réussi à pénétrer dans le système. C'est tout. Mais en soi, c'est déjà une infraction. Une infraction pour laquelle François encourt 3 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Circonstance aggravante, il a déjà été condamné pour escroquerie sur Internet en 2007. Pour se défendre, il a fait appel à un avocat, Maître Canis. Selon lui, cette affaire a pris beaucoup trop d'importance. Ben on en est arrivé là tout simplement parce qu'on lui a reproché d'avoir accès à des informations concernant Barack Obama. Et à partir du moment où il est question d'une personne président des États-Unis, nécessairement, toute la presse s'intéresse à cela. Il n'a pas causé de préjudice à Barack Obama. Il n'a pas fait quoi que ce soit qui porte préjudice à qui que ce soit. Je crois qu'il a poussé le jeu un peu loin en accédant à des informations auxquelles il n'aurait pas dû accéder. L'avocat de François reste donc confiant quant à l'issue du procès. J'avoue que je n'ai pas d'inquiétude particulière. Je pense que ça sera une peine tout à fait symbolique et que le ministère public à Clermont-Ferrand saura redonner à cette affaire les exactes proportions dans lesquelles elle doit exister devant une juridiction. Du côté de la famille, le choc a fait place à l'inquiétude. Si François est condamné à une amende de 30 000 euros, il n'aura pas les moyens de la payer. François est au chômage, donc il ne pourrait pas, à part s'il trouve un travail, oui, dans l'informatique, là. Mais et vous, vous pourriez subvenir à ses besoins? Oh non, pas du tout, j'ai 6 enfants et malheureusement, non, on ne pourrait pas. Est-ce que vous arrivez à éventuellement imaginer la possibilité que votre fils pourrait être en prison un jour? On a tout imaginé, mais bon, on ne lui souhaite pas. C'est un jeune, quoi, il a voulu explorer, Il aime tellement l'informatique qu'il s'est peut-être laissé entraîner dans ce sillon. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais expliquer, sans même peut-être penser aux conséquences. Hein. Aujourd'hui, François retourne rarement sur Internet. Il cherche un travail dans l'informatique. Depuis son intrusion, Twitter a renforcé tout son système de sécurité.